Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors non, vous ne buguez pas. Vous m'avez déjà vu avec cette tête-là. Voilà. Je vais vous expliquer après. On va faire dans l'ordre. Hein. Donc, je vais commencer par vous raconter mon petit week-end. Chose que j'ai oublié de vous dire vendredi, avant de vous laisser. Je suis sur le site de Mondial Tissu, les gens, ils ont affiché ma photo du look d'Halloween citrouille avec la tenue que j'ai fait et tout. J'étais trop contente, trop fière. Voilà. C'est une petite victoire, mais c'est une victoire quand même. Il n'y a pas de fausse fierté et de modestie. Voilà, tout simplement. Donc, après, j'ai beaucoup joué le vendredi. J'ai pas mal joué à Disney Dreamlight Valley et le soir avec Chéri. D'abord ça a commencé avec Chéri et après ça a fini avec les gosses. On a fait une soirée blind test, dessin animé, série, TV, enfin film. En fait ça a commencé parce que Chéri nous a tapé Bioman. Pourquoi, je ne sais pas. Après il a mis ma chanson de dessin animé préférée qui sont Les Cités d'Or. J'adore ce générique de dessin animé. C'est mon générique préféré, je crois. Ouais, j'adore ce générique avec Capitaine Flamme. La chanson de Capitaine Flamme, j'adore aussi. Mais La Cité d'Or, c'est La Cité d'Or. La musique est trop... Wow. Et du coup, ça s'est transformé en soirée blind test pendant 3 heures avec tout le monde. Et on s'est éclaté, ça nous a fait du bien. On a passé un bon moment. On a commencé en faisant à manger et on a arrêté après avoir mangé. Parce que même en mangeant, on a fait le blind test avec les garçons et la copine d'Enzo. Et c'était vraiment agréable, quoi. Voilà. Et alors, le samedi, j'ai fait du montage. J'ai ma mère qui est venue l'après-midi, donc du coup le matin j'ai fait un gâteau à la clémentine, puisque j'avais des clémentines que je risquais de devoir jeter. Donc j'ai fait un gâteau à la clémentine, sauf que il fallait mélanger la chair et le jus des clémentines avec un peu de sucre vanillé. Bon, j'avais plus de sucre vanillé, mais j'ai mis un peu de sucre en poudre et de l'arôme de vanille. Et que du coup, ben, ce liquide-là a coulé dans le fond du moule, donc il n'y avait pas le dessus de mon gâteau, enfin le dessous. Il manquait un bout de mon gâteau, voilà, la croûte du bas est vraiment restée collée dans le fond, mais en tout cas c'était super bon, voilà, c'est une recette de Marmiton, hein. Moi je pioche mes recettes que sur Marmiton en principe, hein. Mais si vous avez des clémentines et que vous savez pas quoi en faire, ben vous pouvez essayer parce que franchement c'est bon, j'aurais pas pensé à faire un gâteau avec des clémentines, mais voilà. Ensuite, le soir, ben, j'ai refait ma colo. Alors, vous verrez absolument rien. J'ai refait donc Mersine et la repigmentation avec le crayon d'envie de Révolution. Je vais peut-être allumer l'anneau, vous verrez peut-être un peu mieux. Oula. Putain, on dirait un Gremlins à chaque fois que j'allume. Ah, je crois que si, vous voyez bien quand même. Donc voilà, j'ai refait ma repigmentation avec le vert de chez Révolution. Donc j'aime beaucoup ce produit pour repigmenter mes mèches. Ensuite j'ai attaqué les Transformers. Voilà, j'avais envie de me retaper les Transformers. Et ben là j'en suis à l'épisode. Enfin à l'épisode 5, quoi. Le cinquième volet de la saga. Donc il me reste le 5 à regarder. Et puis après Bumblebee, et puis j'aurai fini. Et comme aujourd'hui sur Amazon Prime, il y a, enfin sur Prime Video, il y a les 3 saisons de Legacies et l'intégrale de Pretty Little Liars qui sort. Je sais à quoi passer mes soirées après. Les Transformers, voilà. Et après aussi, un peu plus tard en novembre, je crois que c'est le 9, ils mettent la saga Matrix aussi. Donc c'est cool. Je sais pas s'il y aura le tout dernier qui est sorti. Non, je sais même pas s'il est déjà sorti. Je l'ai pas vu. Hein, le tout dernier là qu'ils ont fait, mais ils en ont fait un nouveau, il me semble. Non, oui. Non, enfin, bref. Et le dimanche, journée de presque merde. Donc j'ai fait mon montage de mon make-up psy, la vidéo sur le coffret Willy Wonka que vous avez déjà eu. Oui. Donc je vous la remets en barre d'infos.
Donc j'ai passé 1 heure et demie sur mon montage. Et comme ça a mis du temps à s'enregistrer, ben j'ai dit une fois que c'était enregistré, je fais la sieste et puis je l'upload après. Sauf qu'entre-temps, je ne sais pas ce que j'ai foutu, j'ai supprimé tout. La vidéo montée et les rushs. Alors que je ne l'avais pas mis sur YouTube encore. Donc voilà le pourquoi du j'ai une tête que vous avez déjà vue. C'est parce que j'ai dû retourner la vidéo. Et pour pas refaire ma miniature et mes photos, on gagne un tout petit peu. Hein, et à la fainéantise, on gagne ce qu'on peut gagner en temps. Du coup, je me suis habillée, coiffée et j'ai refait le même make-up. Voilà. Mais j'ai dû retourner toute la vidéo. Que je vais monter juste après avoir vlogué et que je vais uploader directement sur YouTube. Bien sûr. Ensuite, j'ai regardé les Transformers 4 et j'ai passé ma soirée à répondre à un troll. D'habitude, je bloque, hein, mais là, de temps en temps, ça me défoule un peu. Il a essayé de me vexer avec mon âge, avec mes dents, il a essayé de me vexer avec ma chaîne, enfin, il a essayé de me vexer avec beaucoup de choses. Il n'a pas compris, mais il a quand même mis 2 heures à lâcher l'affaire. Hein. Alors, moi, j'arrête pas de le répéter, j'ai pas de vie, donc j'avais le temps de m'amuser avec lui. Mais lui, c'est quand même un gamin, donc pas avoir de vie à cet âge-là, c'est quand même malheureux. Hein. Voilà. Oui, parce qu'apparemment, je suis quelqu'un d'éneuse. C'est sous le live et le dernier vlog, hein, si vous voulez aller voir, troll puissance, plus. Hein, mais je me suis carrément pris un fou rire avec ces conneries, quoi. Alors, vraiment. Parce qu'il était con. Donc je suis quelqu'un d'haineux qui a besoin de ma chaîne pour ne pas être à la rue. Si j'avais besoin que du montant de ma monétisation pour pas être à la rue, ça m'arrangerait, hein, perso. Hein. Je suis un piranha aux dents aiguisées, parce qu'il se foutait de mes dents. Et je suis un piranha septuagénaire aussi, qui m'a dit. Eh ben, au moins ce que ça prouve, c'est que mes gosses à moi sont bien élevés et respectueux, contrairement à d'autres. Puis après, je pense qu'il a switché de compte pour venir m'insulter sous le vlog. Parce que là, j'ai eu le droit à arrête tes vidéos de merde, Voldemort, Gollum. Il m'a appelé Gollum aussi, mon précieux, qu'il a dit. Oui, c'était très intéressant. Voilà. Mais je me suis pris un fou rire. Et j'ai eu du mal à me ravoir tellement il m'a fait rire. Franchement, il m'a fait rire. Donc j'ai passé ma soirée à répondre aux trolls. Voilà. Et je pense que c'est 2 fois le même. Hein, Il y a des gens, que ce soit des jeunes ou des plus vieux, hein, il y en a vraiment qui n'ont rien à foutre. C'est un truc de fou. Moi j'ai absolument rien à foutre, donc ça m'a passé le temps. C'est clair. Mais à cet âge-là, j'avais des choses à faire dans ma vie, hein, moi, coco. Donc voilà pour mon petit week-end. Cette semaine, ça va encore être le vlog de la flemme, je crois. De 2. J'ai quelques vidéos à tourner. Je voulais aujourd'hui tourner la vidéo de couture de Noël, mais je vais la faire demain parce que là vous me voyez assez avec cette tête là. Je vais pas enchaîner les vidéos en plus avec cette tête là. Et comme ça j'ai le temps de bien faire mon montage et de l'uploader. Puisqu'il est tôt. Ah, oh, je vous ai même pas donné l'heure, il est 8h39 maintenant. Je dois coudre le volant de ma housse de coussin que je vous ai montré de Noël, là, que je vous ai montré dans le haul Chine que vous avez eu mardi. Donc, pareil, je vous remets en barre d'infos. Je dois tourner. Pestouille 1 se réveille. Je dois tourner le crash test des cheveux, des poulpes, là, pour les cheveux que vous avez vu aussi dans le haul. Donc, je pense que je ferai ça demain, quitte à enchaîner les 2 vidéos avec le même make-up. Bon voilà, de toute façon c'est pas des vidéos de make-up, donc c'est pas très grave si je suis si j'ai la même tronche. Et voilà, aujourd'hui pour moi c'est le dernier make-up d'Halloween qui sort et j'ai tellement hâte de vous le partager celui-là. J'espère qu'il va vous plaire. Voilà, si jamais vous l'avez pas vu, je vous le remets en barre d'infos, allez mettre un max de likes dessus, un max de vues, parce que j'ai quand même passé 3h30 à le faire celui-là et j'en suis très fière, je l'aime vraiment beaucoup, donc. Je vous remets en barre d'infos, n'hésitez pas à aller mettre un max de likes, de commentaires, de vues. Voilà, tout simplement. Oui, je fais l'aumône en plus. Hein. Écoutez, j'ai besoin de ma chaîne pour survivre, paraît-il. Ah là là. Comme quoi, des fois, il n'y a pas besoin de grand-chose pour passer une soirée. Hein, un petit coup, et puis c'est bon, c'est fait. Hein.
Ouais, donc je dois faire ça. J'aimerais bien faire les deux bricolages de Noël aussi pour mettre dans le clou du concours. Donc pour faire des sapins comme je vous ai montré dans le précédent vlog. Oh. Et mon colis H&M avec le calendrier de l'Avent. Oui, attends, attendez, j'ouvre la pestouille. Je vais sortir. Attends, mais laisse-moi ouvrir. Oh, dis, tu me laisses le temps d'ouvrir la porte au moins. Pas de conneries, hein. Tu me laisses bloguer, hein. Bon, bah, commence bien, elle est déjà par terre. Non, n'y retourne pas, hein. Oh, c'est cassé la gueule. Ma commande H&M est partie, enfin va partir aujourd'hui, je pense, puisque j'ai reçu le mail hier pour me dire qu'elle était en truc d'envoi, je sais pas quoi là. Elle se marque en attente d'expédition, donc je suppose qu'il va partir aujourd'hui. 3 à 5 jours de livraison, donc moi je les récupérerai samedi, je pense qu'on ira chez mon beau-frère et ma belle-sœur. Donc je les récupérerai à ce moment-là. Je vous montrerai vite fait la semaine prochaine, enfin quand je l'aurai récupéré, mais voilà, je fais pas de unboxing ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment pour ouvrir en décembre. Oui, il y a le poêle, hein. C'est le retour du froid, donc c'est le retour du bruit du poêle, je suis désolée, mais ça va être comme ça tout l'hiver, hein, automne-hiver. Hein. En imitant, parce que vu le prix du poêle maintenant, les amis, ouf, on est quand même passé de 4. Chérie avait les sacs à 4 euros l'année dernière. Là, on est passé à 15, quoi. Truc de dingue. Mais truc de dingue, quoi. Apparemment, tout le monde t'a toujours dit que c'était la Chine le fournisseur mondial de tout. Et apparemment, c'est l'Ukraine. C'est un truc de dingue. Inflation. Je trouvais plus mon mot. Cette inflation de prix, là, ça commence vraiment à être incroyable. Il y a tout qui augmente, sauf les salaires, comme d'hab. Parce que bon, les petites primes qu'ils donnent à droite à gauche. Maintenant, il faut que j'aille voir si on a le droit à une aide, vu qu'on chauffe au pellet, justement, sur l'électricité. J'ai entendu parler ça aux infos, que apparemment les personnes qui chauffent au pellet ont droit à une aide de l'État ou je sais pas quoi. Donc il faut que je me renseigne avec ça. On verra bien. Et ouais. Là, on est en train de se renseigner aussi pour le prix de la voiture, puisque chérie va avoir sa voiture de société, donc on n'a plus besoin de route, hein, puisque je ne sais pas rouler. Je ne sais plus rouler. J'ai dû aller rechercher Enzo, j'ai fait une crise d'angoisse la semaine dernière, enfin vendredi soir. Non, c'est la semaine d'avant. Je sais plus. Je crois que je vous l'ai dit, mais j'ai fait une crise d'angoisse au volant. Donc j'ose vraiment plus prendre la voiture, parce que ça devient dangereux aussi bien pour moi que pour les autres. Hein. Donc j'ose plus prendre la voiture. Donc ça sert à rien qu'on garde une voiture. La mienne avait déjà pourri là parce que je n'utilisais pas. Donc c'était un peu con. On avait deux bagnoles et une qu'on s'en servait pas, mais qu'on payait quand même tout. Alors c'est un peu con de dépenser des sous pour rien par les jours, par tout ce qui se passe actuellement financièrement partout. Voilà, j'ai fait des couettes, donc je joue avec. Enfin, vous avez l'habitude que je joue avec mes cheveux. Ouais, ben c'est tout. Faut que je prenne les mesures pour faire une pièce de couture aussi que j'ai envie de faire en partant d'un modèle que j'ai vu sur Chine. Boulot. Mais ouais, ça va pas être passionnant encore une fois. Ouais, là je vais faire tourner mon linge aussi. En dérochant, je vais aller faire tourner ma machine. Normalement, j'attends le soir pour la faire tourner avec le compteur de nuit, mais bon. Comme ici, c'est la bataille pour le séchoir après, parce qu'on n'a pas de séchoir, donc on fait sur un portique à linge, quoi. Et du coup, on se bat parce qu'il faut quand même au moins, au minimum 24 heures pour que ça sèche, hein, quand il fait froid dehors et qu'on ne peut pas le mettre dehors. Donc voilà. Ah ben non, je ne peux pas faire tourner ma machine tant que j'ai les titis dans les pieds. Enfin, j'en ai qu'un, mais je ne sais pas où aller. D'ailleurs, ça doit être Shadow qui est dehors, puisqu'il me fout la paix. C'est Sky qui m'a défoncé une éponge de maquillage la semaine dernière. Elle est tombée sur mon éponge. J'avais commencé à tout préparer pour faire mon teint. Et je les ai fait sortir. Et bah, très, très mauvaise idée. Elle a chopé mon éponge et elle l'a détruit. Elle a fait des petits bouts. Alors elle a arraché des bouts et elle s'amusait à les balancer. J'avais des petits bouts d'éponge partout. Et bien évidemment, c'était une que je venais d'utiliser il n'y a pas longtemps. Elle n'a pas pris une vieille pour faire ça. Hein. Bon, non, sinon, c'est pas marrant.
Voilà, bon, allez, sur ce, il va rien se passer aujourd'hui, de toute façon. Là, je vais faire mon montage, uploader ma vidéo, parce que j'ai pas envie de la retourner une troisième fois, parce que alors là, j'abandonne. Et voilà. Donc, ouais, on suit tous les jours. Alors, il est 7h20. Je vous ai pas pris hier, parce que je crois que vous pouvez le voir, je suis malade. Je crois que ça se voit ma tronche quand même. Hein. Je vais vous épargner le spot hein, parce que je suis pas en super forme. Ouais, hier c'était le premier, c'était donc le 1er novembre. Chérie était en congé en plus. Et du coup, j'étais vraiment pas bien. Donc j'ai eu de la fièvre, j'avais mal au crâne toute la journée. Donc je me suis dit, à mon avis, c'est le Covid. Hein, voilà. Parce que chérie a eu beaucoup de cas de Covid au boulot, donc je pense qu'on s'est chopé un léger Covid tous les deux, sans trop de bobos, hein, mais je pense vraiment que c'était ça, enfin que c'est ça. Je suis encore un peu patraque, j'ai plus de fièvre ce matin, je crois pas, non, ça n'a pas l'air. Du coup, Déji devait passer ce matin, mais dans le doute, je lui ai dit qu'il valait mieux pas. Hein. Maintenant, le focus se fait sur ma porte. Donc voilà. Sinon, bon, hier j'ai pas chômé, j'ai pas foutu grand chose, je vous l'avoue. J'ai déjà essayé de lancer mon jeu Disney toute la journée. Il y avait un bug. L'écran, je restais sur l'écran de téléchargement. Les filles ont essayé chez elles et ça fonctionnait. Alors j'ai dit merde, c'est un problème avec le Wi-Fi ou je sais pas trop. Et en fait non, c'est un bug. Ils ont mis un patch de correction la veille et c'est le patch là qui causait le bug chez certaines personnes. Je vais y arriver. Et du coup, j'ai dû attendre qu'ils refassent un patch pour le patch. Mais je suis quand même en train de me battre avec le booster de Wi-Fi qui je n'arrive plus à régler. Enfin bref. Donc j'ai fait hier j'ai refait mes ongles parce que les filles se foutent de ma gueule à chaque fois mais comment j'avais fait un accroc dans l'autre donc ça je supporte pas parce qu'à force de me servir de mes ongles pour gratter des trucs et tout ça ben ça se décolle là j'ai mis du vernis thermique donc là il est noir mais quand j'ai un peu chaud il devient blanc bon après je préfère quand il est noir et vu que c'est rare que j'ai chaud surtout les mains. Mais vous voyez que ça vous fait un effet de dégradé assez simple. Et j'ai juste. Alors j'ai utilisé le Your Sugar, je l'adore, c'est mon préféré, je crois, en thermique. C'est le UR01 Rainbow Thermal Gel. Voilà. C'est celui-là. Et j'ai fait des petites lignes en déco avec ceci de chez Born Pretty. Donc c'est un vernis holographique, normalement c'est pour le stamping. Je l'avais testé une fois en stamping, mais j'ai pas les plaques adéquates parce que les anciennes plaques sont pas assez gravées et j'ai pas énormément de nouvelles. Et puis c'est vrai que le stamping, j'en fais plus du tout. Ça a été toute une folie chez moi pendant tout un temps. Bah, quand c'est sorti hein, chez Conad, j'avais même eu un partenariat avec Conad à l'époque. Mais comment? Là, j'en fais plus. Donc j'ai refait mes ongles. J'ai regardé Aquaman et l'école du bien et du mal. J'ai bien aimé l'école du bien et du mal. Bon, Aquaman, j'ai déjà vu plusieurs fois, hein, mais j'avais envie de le revoir, comme d'hab. Et comme je vous prépare une série de make-up sur les films, il y a Aquaman qui est dedans. Et du coup, ça m'a donné l'idée du make-up. J'avais déjà à la base, et là, j'ai pu le peaufiner en regardant ça. J'ai trouvé trois idées de make-up pour cette série-là. Du coup, hier, j'avais déjà, hein, j'ai juste peaufiné un peu, mais du coup, ça sera pour janvier. Je vais vous dire quand. Attendez, parce que je peux pas vous la faire ce mois-ci. Déjà, ça fera trop d'artistique un sur l'autre avec la série d'Halloween. Et puis, il faut que je prépare le calendrier de l'Avent de Noël. Donc là, il me reste 10 vidéos à tourner avant d'attaquer la série, enfin les vidéos de Noël. Et donc l'autre, ça sera du 9 au 14 janvier. Il y aura le Joker, Black Panther, Matrix, Bumblebee, Avatar et Aquaman. Il y en a que je dois peaufiner. Le Joker m'inspire moins parce que c'est pas vraiment le genre de make-up où on peut vraiment se lâcher. Ce sera un assez simple, un assez rapide, je pense. Les autres, ouais, j'ai les idées déjà.
Donc j'ai trouvé ça et j'ai fait un lézard pour mon neveu. Pas le plus jeune du côté de mon homme, mais le plus jeune de mon côté à moi. Donc le plus jeune de mon plus jeune frère. Donc en fait, il a 6 ans, 5 ans, un truc comme ça. Et pas moyen qu'il dorme dans son lit. Il faisait des terreurs nocturnes et tout. Et à chaque fois qu'il vient ici, il joue avec un petit lézard en plastique. On a un petit bac de jeux pour les petits gosses qui viennent chez nous, qu'on a gardé de nos gosses, hein, donc c'est des vieux trucs. Et il y a un petit lézard en plastique, donc tout ce qu'il y a de plus basique, et il adore ce lézard. Je ne sais pas pourquoi. Et à chaque fois, il essaye de le piquer. Chaque fois qu'il repart d'ici, il essaye de repartir avec. Et je lui avais dit, le jour où tu feras doudou dans ton lit, pendant X temps, tu pourras le reprendre la prochaine fois que tu viens, tu pourras le reprendre chez toi. Et j'avais même dit que j'en achèterais d'autres. Par contre, pour trouver des petits lézards en plastique, galère. Moi, je pensais en trouver facile chez Action. Ben non. Chérie lui a trouvé deux, vous savez, en espèce de slime là. Et je me suis dit, ben, je vais lui faire un coussin lézard pour mettre dans son lit maintenant qu'il dort dans son lit. Donc, je vais vous montrer ça. Les garçons se sont foutus de ma gueule. Donc, le problème, c'est que j'ai pas de ouate de rembourrage. Donc j'ai fait avec des chutes de tissu pour le rembourrer, donc j'ai pas pu le faire très 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 épais, mais en même temps un lézard c'est pas non plus un crapaud. Et voilà. Ça ressemble à un lézard quand même. Je sais pas comment vous montrer. Vous voyez, il y a des petites patounes, il y a la queue en comme ça, il y a la petite langue, les petits yeux. J'ai lui fait un ventre différent. Je le trouve pas si moche. Bon, je pense que ça pourra quand même lui plaire. Voilà, ça lui fait un doudou. Allez, gâtez Bernard le lézard. Voilà, j'espère que ça lui fera plaisir. Je me suis beaucoup amusée. Bon, il n'est pas top top. La queue est un peu mal centrée. Mais voilà. On dirait qu'il est en train de courir. Donc j'espère que ça lui plaira. On verra bien. J'ai hâte de lui donner quand il viendra. Et on verra bien ce qu'il en pense. On verra s'il me dit que c'est un lézard ou pas. Parce que Enzo et Sam a trouvé que c'était un lézard. Enzo et Chéri, ils ont dit que c'était une tortue. Vous avez déjà vu une tortue avec une grande queue comme ça, une langue fourchue? Non, hein. Ça a une carapace. Il n'y a pas de carapace là. Voilà. Et sinon, ben c'est tout. J'ai pas foutu grand-chose puisque je vous dis j'étais pas bien. Mais pourquoi il me fait le focus là-bas maintenant? Oh, et c'est pas possible, hein. Concentre-toi un peu. Si on est deux à pas être concentrés, ça va pas le faire. Donc voilà, et je suis complètement épuisée. J'ai détartré ma Dolce Gusto hier soir à minuit. Non, pas minuit, parce que j'ai été me coucher à 11h30, donc vers 11h. Sauf que j'ai oublié de la rincer. Donc ce matin, heureusement que je m'en suis souvenue, sinon j'aurais bu du café au vinaigre. C'était pas très appétissant. Ça me fait chier du coup de pas voir DJ parce que là ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Mais bon, santé avant tout. Hein. Voilà, on se rattrapera la semaine prochaine. Je lui ai dit, je pense que ça ira mieux la semaine prochaine. J'ai pas non plus beaucoup beaucoup de symptômes et je suis pas non plus comment? Je suis pas super mal. C'est juste que voilà, je suis pas bien quoi. Et j'ai de temps en temps un peu des petites pointes de fièvre. Alors chez moi la fièvre c'est minime hein, parce que comme je suis à 35,9 de température classique. Ça fait que, voilà, une fois que j'ai 36, 2, je commence déjà à le sentir. Et alors, une fois que j'arrive au 36, 9, 37, ben, c'est que j'ai bien, bien, bien de la fièvre. Bon, ça équivaut à un 38 chez les gens normaux, quoi. Mais je suis à 35, 9, moi, de température normale, donc voilà. Je surveille parce qu'il y a une pestouille dehors qui pointe le bout de son nez pour essayer de se barrer. J'ai déjà récupéré une fois par terre. Shadow, qu'est-ce que tu fais? Tu vas rentrer à la maison faire dodo, hein. On peut la motiver à rentrer. Voilà. Aujourd'hui, j'aimerais bien faire vos DIY pour mettre dans le concours de Noël, parce que c'est la première vidéo de Noël que je vais tourner, donc j'aimerais bien faire ça. Il faut que je prenne les mesures pour mon top aussi. J'ai un top que je voudrais faire. Je vous l'ai déjà dit, ça, je crois. Je sais plus ce que je dis, hein. Je suis désolée, mais je perds la boule. Hein. On s'est rendu compte avec les gosses que je perdais plus la boule en plus que ce que je ne pensais, parce que en discutant avec Enzo et sa copine, on parlait des Transformers, donc j'étais en train de regarder la série Transformers, et on parlait du film que je venais de regarder, et il y a plein de passages que je ne me souvenais pas d'avoir vu, alors que j'étais en train de le regarder, quoi.
C'est un truc de fou. J'ai des zones comme ça où j'ai un trou noir. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Voilà. Bon, après, tant que c'est que sur les films, je vais vous dire, c'est à moitié grave. Hein, mais, par contre, ce que je comprends pas, c'est que sur Prime, ils ont annoncé à partir du 1er novembre Legacies et Pretty Little Liars. Et je les ai toujours pas. Donc, je ne comprends pas. Moi qui avais. Je vais attendre ce soir, voir si c'est un décalage de 24 heures par rapport aux États-Unis. Mais c'était sur le Prime français qu'ils ont annoncé ça. Donc, je sais pas. Je sais pas si c'est eux qui ont un souci ou si c'est moi parce que je suis en Belgique. Je sais que Netflix, c'est pas le même. Après, Amazon, c'est le même normalement en France et en Belgique. Netflix, c'est pas le même. On n'a pas toujours les mêmes programmes. Mais l'école du bien et du mal, là, j'ai bien aimé. D'ailleurs, ça m'a donné une idée pour Halloween l'année prochaine. J'ai déjà presque tous les make-up. Si j'en trouve plus, j'en ferai peut-être plus. Hein. Je sais pas trop. Je verrai bien l'année prochaine. On n'y est pas encore. Là, je vais me concentrer sur finir les vidéos de novembre, attaquer les vidéos de décembre, et puis après, il faudra que je me concentre sur la série des films. Donc voilà, j'ai hâte de faire tout ça. Surtout d'attaquer le calendrier de l'Avent de décembre, j'adore faire cette série de vidéos. Là, j'attends aussi la sortie de la Carnival 5 de chez Be Perfect et Stacy Mary. Hier, j'ai mis un post parce qu'elle a partagé un post. Pour chercher des comptes pour recevoir le coffret en PR. Donc je l'ai partagé en story et j'ai demandé que vous alliez me taguer. Vous avez aidé, je sais pas combien me taguer, c'est trop mignon. Donc on croise les doigts, mais bon, ça fait 5 ans que je le fais. Hein. J'ai jamais eu de réponse. Mais plus vous me taguez, ben, plus il y a des chances qu'elle voit mon compte. En fait, le problème, c'est que dans tous les trucs, elle va pas forcément voir le mien. Mais j'espère. On verra bien. Écoutez. Après, il va peut-être pas forcément l'intéresser non plus. Hein. Ce que je fais ne plaît pas à tout le monde. Donc voilà. On verra bien. Ma foi. De toute façon, au pire, j'achèterai la palette. Ça, c'est sûr. J'attends qu'elle sorte. Par contre, les pinceaux, je voulais le kit de pinceaux parce que voilà, c'est quand même Be Perfect. C'est une des marques que je préfère. En collab avec Stacy Mary, c'est les palettes que je préfère. Les Carnivals, c'est vraiment mes palettes préférées de base. Et quand. Quoique Jolie Beauty a quand même bien détrôné le bazar, mais voilà, c'est un peu kiff-kiff. Mais 150 balles des pinceaux, non, quoi. Non, pas bougie. Je veux dire, à ce prix-là, vous avez le double de pinceaux dans les kits Bougie Shop, quoi, donc, et qui sont pas merdiques. Donc. Il faut que j'en remette de l'eau au chichou. Je vais faire ça tout de suite avant d'oublier. Voilà, bah écoutez, moi je pense que je vais déjà vous laisser là. De toute façon, j'attends rien de spécial au courrier. Je reçois le calendrier HM, il arrive demain chez mon beau-frère. Ils viennent samedi, comme ça il me le dépose en même temps et je peux lui donner son cadeau. Donc je vous montrerai la semaine prochaine et puis on attendra le premier. Ça va aller vite maintenant, hein, dans 29 jours. On va pouvoir commencer les calendriers de l'Avent. C'est génial. Il serait temps parce que j'en aurai 4 quand même. Oh, le Shadow, je te vois, hein. Tu peux pas. Non. Jessie. Ben non, il est par terre. Maintenant, il râle. Il n'écoute pas, puis il râle. Mais j'ai peur qu'il aille en dessous du poêle. Bon, là, il est éteint, donc ça va, mais qu'il aille pas en dessous du poêle appelé, se coincer quelque part. Il râle. Il est suspendu à sa branche en sent la tête. Bon, de toute façon, maintenant, c'est l'heure qu'il fasse zoudou. Oh là, dès que je me penche, après, j'ai la tête qui tourne. Un truc, c'est affreux. Bon, ça fait 15 minutes que je blablate alors que j'ai rien de spécial à vous dire. C'est pas une bonne idée, hein, une fois que je commence. Ouais, donc là, je vais remettre de l'eau au chichou. Je vais regarder s'ils ont encore des graines et tout ça. Je vais peut-être essayer d'aller tourner quand même un réel ou quoi. Ah, faut que je tourne ma vidéo de la robe de Noël aussi. Il faut que je mette chauffer mon bureau, sinon je vais avoir trop froid les fesses. Je vais faire mon teint. Je vais brosser mes dents et faire mon teint. Je vais tourner un réel et puis on verra dans quel état je suis après. Tant que j'ai pas de fièvre et que je veux pas me coucher. Après, je suis debout depuis 5h30. Hein, donc je risque de vite être KO. Et voilà. C'est parce que la vidéo, il faut absolument que je la fasse. C'est pour mercredi pour vous.
J'ai rendez-vous jeudi prochain chez le médecin pour mon suivi. Il était peut-être temps que je prenne mon rendez-vous. Il faut que je prenne rendez-vous pour ma scintigraphie aussi. Et que j'aille samedi absolument faire ma prise de sang. Il faut plus que je repousse là parce que ça fait beaucoup. Voilà. Sinon, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, bah écoutez, avant de vous foutre trop la flemme comme dans le vlog de la semaine dernière, on va switcher 2 jours. Hein. Alors, oh, je suis tassée. Il est 7h17 et ah, une pêche-touille surveillée. Je suis réveillée depuis 5h30 parce que j'ai entendu deux pêche-touilles surveillées. J'ai entendu des titis aboyer. Mais bon, en même temps, hier, j'étais vraiment pas bien hier soir. Donc, je me retenais depuis 20h d'aller me coucher. J'ai été me coucher à 22h10, je crois, un truc comme ça. Et voilà, ça explique pourquoi je me suis levée tôt aussi. Mais j'entendais aboyer, puis je me suis dit, pourquoi ils aboient comme ça? Donc, ça m'a réveillée, je suis descendue. Et puis, ben, ils aboyaient plus. Donc, je me suis dit, bah, c'est bon, c'est qu'ils voulaient que je me lève, quoi. Puis d'un coup, j'entends aboyer, mais à mes pieds. Je regarde, il y avait bébé Suzy qui était par terre. Donc elle a réussi à se barrer à travers les barreaux de la cage. Ça promet. Je ne sais pas ce que ça va donner. Là, comme les barreaux du dessus de la cage, j'ai modifié. Je sais que là, ils savent passer. Donc je vais juste mettre un plateau en plastique pour plus qu'ils puissent sortir au moins par là. Mais il y a des écarts sur les côtés de la cage, la soudure des deux parties de la cage. Donc là, je ne sais pas trop comment je vais faire. Si chérie irait me chercher des branches, je peux coincer ça avec des branches pour pas qu'ils puissent passer, mais, quitte à les mettre à l'extérieur. Des petites baguettes, je sais pas. Là, j'ai des baguettes, mais bon, ils s'en servent pour jouer. Donc je ne sais pas. Faut que je trouve une solution aujourd'hui parce que si elle a commencé à trouver l'astuce pour se barrer, elle a dû tomber, je pense, hein, mais. À mon avis, elle était cachée, c'est pour ça que je ne l'ai pas vue tout de suite. Et quand elle a entendu que j'étais réveillée et tout ça, ben, elle est venue à mes pieds. Donc, heureusement que je l'ai vue, que je n'ai pas mangé dessus, la pauvre. Voilà. Donc, bébé part en vadrouille, épisode 1. Je vous jure, ça commence bien. Sinon, programme du jour. Oh, j'ai une flemme, mais j'ai une flemme. J'ai la motivation d'un mollusque, voire d'un cachalot. Pourtant, il faudrait que je tourne le crash test du poulpe pour les cheveux. Et peut-être tourner une autre vidéo, mais une assez simple. Donc, je pense que je vais faire celle du 21 déjà. C'est celle du lundi, donc c'est toujours les plus petites. Mais il faudrait que mon mal de crâne passe et que je trouve un minimum de motivation. Voilà. Et aujourd'hui, il y a la palette Carnival 5 qui sort. Donc, j'espère que Boozy Shop va l'avoir tout de suite. Ça serait cool, comme ça, je l'ai demain. Et je peux vous la mettre directement pour samedi, s'ils la sortent aujourd'hui. Mais ça m'étonnerait qu'il l'ait aujourd'hui. Ils m'ont dit qu'ils allaient l'avoir, qu'ils n'auraient pas le kit de pinceau. Bon, en même temps, 150 balles de kit de pinceau, non. Qu'ils allaient l'avoir, mais qu'ils n'avaient pas de date. Donc, j'attends. J'espère qu'ils l'auront assez vite. Je vais dire à Mimi l'espionne de surveiller le site. Et je viens d'aller me respoiler moi-même sur le calendrier de l'avant Glam Shop. Oh, mais je m'énerve moi-même avec ma curiosité là. En fait, j'ai été voir s'ils avaient avancé la date d'expédition, mais non, ça c'est toujours aux environs du 15. Et du coup, ils ont mis une deuxième photo avec le contenu à l'intérieur, pareil avec les détails. Et du coup, j'ai été voir. J'aurais pas dû, parce que j'ai encore plus hâte de le recevoir et de l'ouvrir. Mais bon, c'est qu'à partir du 1er décembre, donc. Pourquoi t'as le nez un peu tout noir, toi? Qu'est-ce que t'as foutu? Et ça mange. Oh, ça fait que bouffer ces trucs-là. C'est incroyable que ça reste si petit alors que ça fait que bouffer. Après, on s'étonne qu'ils ont tendance à être obèses. Oh, là, ils mangent des pommes. J'aurais mis quoi hier? Des pommes et du chou. Je ne fais que 2 trucs. Mais j'aurais mis du poisson aussi. Parce que Shadow mange plus de vers, donc il lui faut des protéines. Parce qu'elle n'avait pas ce problème là, elle les dévore, elle les vers. Mais comme Shadow n'en mange plus, il faut que je lui trouve autre chose. Donc je ne peux pas leur mettre des blattes régulièrement parce que après ben, j'ai plus assez d'adultes pour continuer l'élevage.
Donc là, je leur ai mis un peu de poisson. La dernière fois, c'était du poulet. Mais du coup, monsieur veut plus de verre du tout. Voilà. Bon, je pense que je vais essayer de tourner le début du crash test pour appliquer le poulpe sur ma tête. Je vais faire ça dans le salon, je pense. Comme ça, après, je me prépare doucement, le temps que ça pose et tout. Je peux faire mes soins, mon teint, tranquille. Comme ça, je laisse poser au moins 2 heures. Je pense que ça sera bon pour voir l'effet. Faut vraiment que je trouve ma motivation parce que elle est très loin là. Mais hier soir, j'avais de nouveau de la fièvre. Ce matin, ça va. J'ai un peu mal partout. Donc, je pense vraiment bien que c'est le Covid. Mais bon, ça va, c'est pas non plus. Je suis pas comme la première fois que je l'ai eu. Avant que toute cette histoire commence, je suis persuadé que on l'a eu tous ici. Là, j'ai jamais été aussi mal de ma vie. Moi qui ai jamais eu une grippe. Je vous raconte pas dans quel état j'étais pendant 3 jours. Je croyais que j'allais mourir. Mais là, bon, ça va. Je sens l'état grippal, quoi, on va dire, mais pas. C'est pas non plus. Et puis c'est pas des grosses poussées de fièvre, mais ça fait vraiment le yo-yo. J'en ai plus, j'en ai, j'en ai plus, j'en ai. Mais bon, avec ma température, c'est pas évident de savoir quand j'en ai ou pas. C'est plus quand je le sens en fait que je sais que j'en ai. Mais j'ai quand même une sale tronche, hein, sous la corde. Hein. Et sans les lunettes, vous voyez les dégâts, quoi. Ouais. Vive les lunettes, hein, ça cache quand même un peu la misère. Hein. Sinon, aujourd'hui, il y a le calendrier H&M qui arrive chez ma belle-sœur. Donc, il me l'amène samedi. Ça, je vous l'ai déjà dit. Ouais, je me répète. Ouais. J'ai commandé hier sur AliExpress des collants chauds, puisque j'ai testé ceux que j'ai commandés sur Shein. Donc, je vous remets le haut en barre d'infos. C'est des tailles uniques. Alors, ils disent extra extensible. J'ai eu du mal à mettre mon cul dedans. Hein. Vraiment, hein. Donc il faut que j'essaye de tirer un peu plus dessus, voir si j'arrive à les mettre bien en place. Mais là j'ai commandé quand même sur AliExpress parce qu'il y avait des tailles. Sur Chine, il n'y en a pas du tout avec des tailles. Mais les tailles, c'est juste ben, c'est soit small, soit L, quoi. Vous voyez, enfin, soit plus size. Size, non, enfin, voilà quoi. Il y a juste les petites tailles et les grandes tailles. Donc j'ai pris la grande taille. On verra bien. Au pire, s'il ne me va pas, je le donnerai. S'il est trop large pour moi, je le filerai à Manon pour qu'elle puisse essayer. Elle voulait essayer. Parce qu'elle m'a dit qu'elle en avait vu chez Creutzwaht avec des tailles, des vraies tailles. Mais sauf que sur le site, ils n'y sont pas. Et je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir aller chez Creutzwaht. Donc là, j'ai commandé sur AliExpress. Il y avait une autre paire où là, il y avait plusieurs tailles. Donc S, M, L, XL, vous voyez. Mais c'était bien marqué que vu que ça venait pas de l'Union européenne, il risquait d'avoir des frais de douane. Alors que c'est la première fois que je vois qu'il y a une annonce. Mais je pense que ça venait d'un pays autre que l'Asie. Parce que c'est la première fois que je vois ça. Puisqu'il n'y a pas de frais de douane sur AliExpress. Si vous en avez, vous retournez le produit. Vous ne les payez pas, vous le dites au vendeur et il vous renvoie le produit. En fait, c'est un problème d'étiquetage, hein, tout simplement. Puisque c'est juste qu'ils oublient de cocher la case comme quoi les frais sont payés, quoi. La TVA est payée. Donc voilà, vous ne payez pas vos frais de douane sur AliExpress. Mais du coup, vous retournez bien l'article. Après, si le vendeur est correct, vous pouvez payer et il vous les rembourse. Mais moi, je renvoie. Voilà. Ça m'est arrivé que 2 fois hein, depuis le Brexit. Donc, enfin, depuis la nouvelle règle sur la TVA, là. Ça m'est arrivé que 2 fois pour 2 produits. Mais alors, c'était 6 euros pour un produit à 2 euros, quoi. Retour. Il y en a un que j'ai quand même reçu, vous voyez, donc un sur les deux que j'ai quand même reçu sans payer. Donc, et comprends pas trop. Sont en train de m'écouter, mais ils mangent. On les croirait au cinéma, là, en train de bouffer leur pop-corn. Là, ils vont me demander pour sortir dans pas longtemps. Une fois qu'ils auront fini de manger, ils vont me demander à sortir. Shadow, maintenant, son nouveau truc, c'est vers 10 h, il me demande pour sortir pour aller se coucher dans les tiroirs. Bref, ouais, sinon le programme du jour, ben là c'était l'anniversaire de mon beau-père, donc je lui ai envoyé un message.
faut que je fasse la cage des titis, il faut faire la cage des chichous aussi, mais ça c'est chérie qui doit faire parce que moi déjà que j'arrive pas à règle générale toute seule, mais alors là dans l'état où je suis c'est même pas possible. Donc j'espère qu'il va me la faire en rentrant du boulot tantôt. Et puis j'aimerais bien tourner cette vidéo là. Et peut-être une autre, enfin ouais comme j'ai dit. Et voilà. Et puis attendre voir si la palette Carnival 5 sort sur Cousy Shop. Oh, quel programme intéressant. Je sais même pas si je vais avoir le courage de filmer. Je ne sais pas du tout. Ils sont en train de se faire la toilette l'un de l'autre là, mais c'est tellement délicat leur truc. Ça va, mes petits loulous? Qui sont mes petites pestouilles? Et les petits bébés? Ben, je vais essayer de vous en choper un pour vous montrer à quel point ils ont déjà bien grandi. Bon, franchement, je suis impressionné par la vitesse où ça grandit. C'est qui? C'est Silver. Voilà, regardez comme ça grandit vite ces petites choses-là. C'est un truc de fou. Ça, c'est Silver. C'est le petit mâle. Petit bébé. On dirait Pois. Je délire avec ça parce que je trouve qu'on dirait trop Pois, la tête de Pois. Oh, c'était super beau sur maman. Oh, oui. Hier, Susie me faisait des puissous sur la bouche. Ah oui. Ah oui. Oh, bah oui, mon petit bébé. Puis elle a essayé de sauter dans mon café aussi. Ça, c'était pas une bonne idée. Donc, je vais aller le remettre dans la cage. Parce que j'insiste pas trop, je les garde pas trop longtemps parce que sinon ils ont peur et je veux pas qu'ils aient peur de moi. Donc voilà, il va se cacher dans ma main. Ça grandit vite, hein, c'est incroyable. C'est incroyable comme ça va super vite. Oui, mon petit loulou. Oh, bon, ta soeur, elle a fait des bêtises cette nuit. Elle s'est sauvée. Bon, oui. Oh non, 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 j'ai sauvé de la cage, hein. Bon, oui. Bon, je vais aller le remettre dans la cage pour pas qu'il ait trop peur. Et voilà. De toute façon, les parents vont bientôt sortir. Ils sont en train de bouffer, comme des gros cochons. Bon, bah écoutez, encore une journée hyper passionnante, hein, mais j'ai rien de spécial à vous dire. En ce moment, les vlogs, c'est vraiment chiant. Hein. Très, 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 très chiant, je suis d'accord. Bon. Allez, sur ce, ben, sauf s'il se passe quelque chose que je vous reprendrai, mais ce serait vraiment étonnant. Là, je vais. Ah, ça y est, il y en a déjà un dehors. Je vais m'occuper un peu des titis. Oui, attends, je vais venir t'ouvrir ton tiroir. Et voir si je filme ou pas. Non, pas par là. Tu vas. Elle a failli se casser la gueule. Bon, allez, sur ce, je pense qu'on va switcher de jour. Alors, il est 8h. Là, je vais lisser mes cheveux. Faire mon teint tranquille devant. Il n'y a aucune unité spéciale. Mais en ce moment, je suis à fond là-dedans. C'est vraiment le piège à con, ce truc. Une fois que vous en regardez un, vous arrêtez plus. Et puis, j'irai tourner la cuisine des elfes. Voilà, comme ça c'est une petite vidéo rapide à tourner vu que je suis encore pas. Je suis encore un peu flatchant. Oui. Mais ça va mieux. J'ai pas eu de fièvre hier et j'en ai pas ce matin. Je dors très mal, mais donc du coup je suis fatiguée. Mais sinon, je suis un peu moins fiévreuse. Je me sens moins en état fiévreux, quoi. Voilà. Donc c'est tout bon. Là, je vais devoir faire mon litron de café. J'ai un pinçon sur le nez. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. J'ai un vaisseau qui a pété, je crois. Ou... Ah non, c'est en relief. Donc c'est un petit bouton. C'est bien une piqûre. Parce qu'il y a un trou quand même au milieu. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà, donc j'ai rien de particulier à vous dire pour clôturer ce vlog. Demain, c'est quoi comme vidéo? Attendez, je vous dis. Demain, c'est un full face avec les produits. De la marque Disney, enfin de la licence Disney, que des produits Disney.
Et voilà. Mercredi, vous avez donc la robe de Noël, la couture avec Mondial Tissu. Bah, du coup, je vais vous donner le planning. Hein. Demain, le full face de la licence Disney. Mercredi, la couture de tenue de Noël avec Mondial Tissu, que j'adore, ce partenariat. Vendredi, le crash test du poulpe pour les cheveux. Voilà. Et donc dimanche, le vlog. Et entre-temps, vu qu'il y a... Ah oui, hier, j'ai commandé la nouvelle Carnival. Donc là, je l'ai commandée sur le site officiel. Puisque Aurore, tout simplement, d'Instagram, je vous mets son compte en barre d'infos si jamais vous ne la connaissez pas. Coucou copine. Copine. Et du coup, elle m'a donné des codes promo et ça payait les frais de port. Et ça faisait une réduction de 1 euro sur la palette, je crois. Alors attendez, je vais reprendre mon mail de récapitulation. Ouais, j'ai payé 38,36 euros. Enfin, ça me revient avec les frais de port à 7,99 €. Ça me revient à 46,35 € à la place de 47,95 € la palette. Donc je gagne 1,50 € on va dire, mais ça me paye les frais de port. Donc voilà, la palette me revient quand même moins cher que si je l'avais achetée sur Boozy Shop. Surtout que sur Boozy Shop, je pense qu'elle est un petit peu plus chère. Je ne suis pas très sûre. Mais bon, là, il fallait que j'attende qu'elle sorte. Je ne sais pas du tout quand est-ce qu'ils vont l'avoir. Ils n'ont pas su me le dire. Ils vont l'avoir, ça c'est sûr. Pas les pinceaux, par contre. Bon, j'ai pas pris les pinceaux à hein. 150 balles. Non, c'est juste pas possible. Surtout que du coup, là, je suis en train de préparer un swap avec Manon. Et je vais essayer de profiter du Black Friday. Et j'ai fait un beau craquage aussi hier sur Beauty Bay. J'ai pris le blush Sigma, le duo de blush Alice in Wonderland, puisque j'avais 10%. Voilà. Donc, je me suis pris ça. J'avais envie, ça faisait longtemps que je lorgnais dessus. À la base, je préférais la collection Cendrillon avec Sigma, mais elle n'est pas sortie par chez nous. Et celle-là était très jolie aussi. Donc je sais déjà que la palette, j'ai pas le droit de me l'acheter. C'est pour ça que j'ai pris le blush. Voilà. Bon, sur ce, bah écoutez, c'est à peu près tout. Mon colis hier, les calendriers d'Avent H&M ne sont pas arrivés finalement. Chez mon beau-frère. J'espère qu'ils vont arriver aujourd'hui vu qu'ils viennent demain. Malheureusement, votre colis n'a pas pu être livré. Il sera mis en livraison au plus tôt. Mais il ne me donne pas d'autres dates. Donc apparemment, Colissimo, enfin donc la poste française, a déjà un souci de délai de livraison. C'est bien, puisqu'on n'est pas encore les fêtes, ça promet. Bon après, du moment que je l'ai pour le premier, mais il faut aussi que je puisse le filer à Manon, quoi. Donc je ne sais pas si on va se voir avant, ou si je vais lui envoyer, ou quoi, je ne sais pas. Normalement, on se voit le 10 avec les filles pour venir manger pour notre pré-réveillon de Noël. Mais je ne sais pas si on va réussir à se voir un peu avant avec Manon pour qu'elle puisse avoir son calendrier pour le premier. Je sais pas, on va voir. Peut-être que s'ils descendent une fois faire un tour chez Auchan ou des trucs comme ça. Voilà. Ce matin, j'ai fait sortir les titis une demi-heure, mais alors Shadow, il a fait que des conneries. Mais alors, quand je dis que des conneries, c'est que des conneries. J'ai ramassé, je sais pas combien de fois par terre. Maintenant, il a trouvé le truc pour rentrer dans mon bureau. Il passe, il y a un tout petit trou. Voilà, j'ai dû le bloquer avec un bloc de post-it. Il fait que des conneries, celui-là. C'est incroyable. Voilà, bah moi, je vais lisser mes cheveux, achever de regarder les New York. Et on les a toujours pas, hein, les Legacies et les Pretty Little Liars sur le Amazon belge, enfin Prime Video belge, on les a toujours pas. Donc à mon avis, on les aura pas, ça m'énerve parce que je les attendais vraiment. Donc voilà. C'est vraiment chiant que c'est pas les mêmes trucs en France et en Belgique. Je sais que sur Netflix c'est pareil et Amy me disait que sur Disney Plus c'est pareil aussi. Mais bon, c'est de l'abus quoi. Là, ça fait quand même deux séries qu'ils ont annoncées en France et qu'il n'y a pas en Belgique quoi. C'est énorme, deux. C'est pas comme si c'était que une quoi.
Voilà. Après, j'ai du montage à faire. Demain, je pourrais pas filmer. Enfin, quoique, ils viennent que vers 14h. Donc, peut-être que je pourrais filmer. Mais c'est une vidéo plus longue que j'ai à tourner pour vendredi prochain. Donc, pas vendredi qui vient pour vous, mais celui d'après. Là, aujourd'hui, je tourne celle de mercredi prochain, qui est donc la cuisine des elfes. Ah oui, j'ai pensé aussi. Je vous dis que je vais vous laisser et puis je continue à papoter. J'ai pensé aussi. Comme j'avance que très lentement dans une palette à make-up par ordre alphabétique, je pense que je vais aussi en faire de temps en temps juste en short, enfin en réel, et les poster en short pour ceux qui ne me suivent pas sur Insta. Après, je sais que ceux qui me suivent sur les deux réseaux likent les deux et commentent les deux en principe. Enfin, surtout liker et commenter, vous commentez très peu les shorts, mais n'hésitez pas d'ailleurs à le faire hein, quand vous les voyez. Mais comme ça, on avancera un peu plus vite dans les palettes. Parce que bon, là, je vais quand même en avoir encore une nouvelle. Là, je vous mettrai le swatch et le make-up de la Carnival 5 une fois que je l'ai reçu. Donc, j'essaierai de filmer ça au plus vite. Et je vous programme aussi une palette trois looks parce que vous allez me la demander de toute façon pour le 21, le lundi 21. Comme ça me fait trois make-up à faire. Parce que j'ai quand même assez d'avance. Là, il me reste. Aujourd'hui, je tourne celle-là. Donc, avec la palette, avec le swatch et le make-up de la Carnival, il me reste une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept vidéos à tourner avant d'attaquer celle de décembre. Donc, ça va. Comme ça, je vais pouvoir après mettre mon fond de Noël et attaquer les vidéos du calendrier de l'Avent. Parce que là, comme c'est une vidéo par jour, tout le mois, ben, faut quand même que je prenne un max d'avance. Et voilà. Ben écoutez, sur ce, je vais vous laisser là. Ouais, parce que j'ai rien d'autre à vous dire de toute façon. Donc, moi, je vais faire ce que j'ai à faire devant mes petits New York. Hier, j'ai fait des bricolages toute l'après-midi et la soirée. J'ai fait vos petits sapins pour le concours de Noël. Voilà, les DIY, je vous les montre pas trop. Comme ça vous laisse une surprise lors du concours. J'espère juste que ça vous plaira, quoi. Voilà. Donc bah écoutez, moi je vous souhaite une bonne semaine, une très bonne semaine même, sans microbes si possible. Moi aussi j'espère que les microbes vont me quitter un peu. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser le petit pouce en l'air pour m'encourager. Ça fait vraiment plaisir et ça m'aide vraiment beaucoup pour le référencement sur YouTube. On se retrouve demain et puis les jours classiques de la semaine ce mois-ci. Hein, il n'y aura que le bonus de la Carnival. Sauf si par exemple je fais un haul action ou des choses comme ça sera en bonus aussi, mais je sais pas si je vais y aller ce mois-ci. J'ai noté, hein, j'ai une liste encore, mais j'ai pas besoin de. C'est pas urgent. Voilà. Et donc, ben, moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous.